peux pas faire ces efforts pour vous. Je ne peux pas vous donner l'intérêt si vous ne l'avez pas, vous comprenez? Je peux seulement vous parler que mon intérêt ne cesse de changer de direction tout le temps. Je me souviens, je me suis donné regarder la couleur rouge en marchant. C'est la rue le plus... Il y a beaucoup de bruit. Et pourtant, je lutte pour écouter le nada. Et chaque fois que je vois la couleur rouge, si j'ai perdu un peu là, je recommence. Dans le bruit. Et à cette époque, ça allait très pour très pour. Je sais que ça t'est foutu. Chaque fois que vous voyez le couleur rouge, un homme qui passe là, une cravate rouge, une femme, et j'approche, je bouge. Voiture rouge, le feu rouge, la voiture qui ralentit, rouge, s'allume derrière. J'ai lutté pour ne pas le perdre. Alors, j'ai généralement commencé d'aller de rue de Cherche-Midi jusqu'au rue de Bac, jusqu'à Saint-Germain, rue du Bac, qui est à peu près 10 minutes de marche. À cette époque, je peux marcher. J'ai fait le retour. Et je me demande comment est-ce que je l'avais fait. À cette époque, comme je n'avais pas d'élèves pour gagner ma vie, j'avais que 3 ou 4 enfants lui donner des solfèges, j'ai gagné une misérable somme de rien du tout. Et quand j'ai rentré chez moi, la musique, ça chante dans mes oreilles, et voilà, j'y mets l'argent, papier de musique, il me faut 32 portées, où manger. Et la plupart du temps, ça a été le papier de musique qui a gagné. Malgré ça, j'ai travaillé. Le nada, c'est un étonnant moyen. Je dois le commencer. Il faut que je le commence. Vous tous. N'est-ce pas, je vous ai lu que ce que le Christ a dit au début. Je ne suis pas venu pour vous apporter la paix, mais le glaive. Qu'est-ce que ça veut dire un glaive? C'est une bataille. Bon, je vais vous lire une autre chose qui peut vous aider tous. Chaque fois qu'il s'assit pour méditer, pendant tout le temps qu'il fournit l'effort de rester concentré, il doit garder en lui le sentiment d'être dans un cloître intérieur, dans un état de profond recueillement. C'est ça que j'ai fait en marchant du boulevard de Raspail jusqu'au rue de Bac et parfois tout le long de leur boulevard de Raspail, j'ai augmenté les difficultés. De cette façon, il sera soutenu dans ses luttes pour demeurer uni à l'aspect supérieur de sa nature, au-delà du temporel et de la dualité, pour autant qu'il l'ait déjà reconnu. Vous voyez, je suis un homme profondément religieux, pas sentimentalement religieux. C'est vrai qu'on doit arriver à un état où il y a le rien en nous, mais ce rien n'est pas le rien comme on le pense ordinairement. C'est pas un néant, c'est un rien qui est constitué de être des consciences infinies, avec très inadéquatement expliqué tout ça, avec le souffle de l'infini.